Il y a bien longtemps, dans une contrée paisible appelée TikTok, deux peuples vivaient dans une quiétude relative. Les gens qui connaissaient la différence entre les dragons et les wyvernes, et les autres qui n'en avaient rien à péter. Jusqu'à ce qu'un jeune vidéaste naïf sorte une vidéo pour expliquer d'où venait cette différence, déclenchant ainsi un nouveau siècle de guerre sur ces terres, pourtant peu habituées aux controverses et débats inutiles. Salut tout le monde, une petite vidéo pour vous remercier déjà de l'ensemble des retours sur la précédente vidéo. Ça a été la vidéo la plus commentée de l'histoire de la chaîne. Et puis une vidéo aussi pour m'excuser et pour expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'épisode du Bestiaire du MJ ce week-end et pourquoi il n'y en aura pas non plus le week-end prochain. Ça fait bientôt un an que la première vidéo du Bestiaire du MJ est sortie et que je me suis fixé un objectif de sortir une vidéo par semaine, histoire de tenir le rythme et la motivation. Depuis, vous avez été très très nombreux à rejoindre cette chaîne, ça me touche énormément, c'est ce qui me motive à continuer. On a passé les 40 000 il n'y a pas longtemps sur TikTok, vous êtes plus de 2000 sur YouTube, donc ça me pousse vraiment à continuer ce travail. En décembre de l'année dernière, j'avais aussi parlé du fait que je commençais à travailler sur le premier format long, c'est-à-dire une vidéo plus longue sur lequel j'allais pouvoir prendre le temps de développer un sujet et aller vraiment dans le détail. Le problème, c'est que j'ai décidé à ce moment-là de continuer mon rythme de une vidéo par semaine. Sachant qu'une vidéo du Bestiaire du MJ, quand il y a pas mal de montage, ça me prend généralement entre 20 et 30 heures de travail pour chacune d'entre elles, plus le fait que j'ai un métier à côté, et du coup, le format long a avancé à pas de fourmi, et aujourd'hui, après plus de 4 mois, je pense qu'il est à peine terminé à moitié. Et ça m'embête parce que j'ai vraiment envie de pouvoir vous le proposer assez rapidement, tout en ayant le temps de le terminer correctement. Et à force de passer régulièrement d'une vidéo à l'autre et devoir revenir sur cette vidéo qui est en plan depuis beaucoup trop longtemps, j'ai l'impression de jamais réussir à vraiment l'avancer. Et ça m'embête parce que c'est probablement le plus gros projet sur lequel j'ai jamais travaillé. Et c'est un truc qui me tient très très à cœur. Donc j'ai décidé pour au moins les deux prochaines semaine de me concentrer pleinement sur ce projet à lui seul, en essayant de pouvoir vous le sortir avant cet été et avant que ma saison d'été ne recommence et que j'ai moins de temps du coup pour pouvoir préparer ces vidéos. Je veux pas pour autant mettre en suspens complètement les vidéos sur TikTok, donc la semaine prochaine ce que j'ai prévu c'est de faire une petite FAQ sur des questions que vous seriez susceptibles d'avoir. Je reçois de plus en plus de commentaires et de messages et même si je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, ça commence à en faire beaucoup, donc je vais faire une grosse FAQ histoire de répondre un petit peu à tout ce que je peux répondre, me représenter un petit peu et puis parler peut-être de l'avenir de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En tout cas, en attendant, je vous remercie encore pour l'ensemble des retours qui continuent à me motiver sur ces vidéos. Et puis, je vous souhaite de bonnes parties de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt. Premier format long, première putain de mouche de merde. Je t'ai eu, saloperie.